Bonjour et bienvenue dans notre formation 100% gratuite dédiée au logiciel CapCut. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire du compositing sur CapCut. Le compositing, c'est tout simplement le fait de combiner plusieurs vidéos pour en obtenir une seule. Nous pouvons par exemple utiliser cette technique pour embellir nos vidéos en y ajoutant des effets beauty, des effets glamour ou même des light leaks que nous aurons téléchargés sur le net. Je vous ai mis quelques-uns de ces effets à disposition. Le lien se trouve en description. Pour les utiliser lorsque vous êtes sur CapCut, vous devez tout simplement placer votre vidéo sur la timeline. Ensuite, vous devez importer ces effets-là. Donc, par exemple, si je choisis cet effet de lumière light leaks, je peux tout simplement la placer sur la piste numéro 2 de notre montage. Sur la piste numéro 2. Vous remarquez que cette vidéo vient de se superposer à notre vidéo qui est derrière. Donc je vais déjà agrandir l'échelle pour qu'elle couvre toute la vidéo comme ceci. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est bien cliquer sur notre vidéo. Ensuite, nous devons descendre ici en bas. Au niveau là où on a écrit mélange, nous devons changer tout simplement le mode de fusion de cette vidéo. Donc actuellement, il est sur normal. Lorsqu'on clique dessus, nous devons tout simplement descendre ici en bas et sélectionner le mode écran. Et là, vous voyez que cette vidéo s'incruste parfaitement sur notre vidéo que nous avons en fond. Donc maintenant, si on regarde avant, après, ça va donner ceci. Avant, après. Avant, après. Donc vous voyez que ça ajoute vraiment une touche de beauté à notre vidéo. Donc, à part ce style qu'on appelle des light leaks, vous pouvez également utiliser des effets glamour. En procédant de la même manière, donc on augmente l'échelle pour qu'ils prennent tout l'écran, on descend tout en bas et on met le mode d'opacité sur l'écran. Et là, nous obtenons quelque chose comme ceci. Donc, grâce à ces effets, vous pouvez ajouter une touche particulière, vraiment très particulière à vos vidéos. Donc, n'oubliez pas de télécharger ces effets, le lien se trouve en description, afin de pouvoir vous exercer. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater la suite de la formation. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel, un nouveau conseil et surtout un nouveau cours de